In vitro. Des microbes, des parasites, des cellules. Organismes simples. Ils sont enlevés de leur milieu naturel, placés en récipient stérile. In vitro, c'est une culture en laboratoire. Elle permet l'étude des mécanismes de la vie et leur contrôle par l'homme. Des myrtilliers, des ormes, des conifères sont multipliés in vitro à partir de tissus végétaux. Un seul bourgeon donne en un an jusqu'à 1 million d'individus. Un enjeu économique considérable. En médecine, la peau humaine est cultivée in vitro pour soigner les grands brûlés. On sait maintenant féconder un œuf humain in vitro. L'œuf sera ensuite réimplanté dans l'utérus de la mère. Une révolution en biologie, une révolution dans notre société.